Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour une nouvelle chasse au trésor. Nous allons traverser, regardez, la Méditerranée et nous rendre en Tunisie. Tunisie, vous connaissez, capitale Tunis, c'est un pays avec environ 6 500 000 habitants. C'est un pays qui a une très très longue histoire. Carthage, par exemple, la ville qui est au nord, près de Tunis, a été fondée 8 siècles avant Jésus-Christ et détruite 1 siècle avant Jésus-Christ, après ces fameuses guerres puniques. Et j'ai noté, je l'ai noté parce qu'il y en a beaucoup, qu'au cours de son histoire, la Tunisie a été occupée par les Phéniciens, par les Romains, par les Vandales, par les Byzantins, les Berbères, les Arabes, les Espagnols, les Turcs, les Italiens, les Allemands pendant la guerre et bien entendu les Français. La Tunisie est indépendante depuis 1956 et elle vit, vous le savez sans doute aussi, mais on peut le rappeler parce que c'est important, essentiellement du tourisme. La Tunisie a la chance d'avoir le soleil et une côte très belle avec des plages superbes, avec des stations tout au long de cette côte tunisienne. Vous connaissez Mamet de réputation, vous connaissez Skanes, vous connaissez Gabès, etc. Alors, nous n'allons pas jouer au nord ni sur le littoral, mais un petit peu à l'intérieur du pays, je dirais à la hauteur du golfe de Gabès, sur une ligne horizontale. Nous allons jouer à la limite, à la lisière du désert, dans la région de Nefta et Tozer. C'est vraiment la porte du désert. Et c'est là que nous allons tout de suite rejoindre Philippe de Dieuleveux. Je vais prendre mon écouteur pour entrer en liaison avec Philippe. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. J'ai parlé de soleil, je ne me trompe pas. Oui, Didier Leca, vous avez bien raison, il y a beaucoup de soleil. Nous sommes en vue d'une mer de sable, d'un shot, et en arabe, ce mot vient de Hachati, qui veut dire bord de mer. Il y a bien sûr bien longtemps, eh bien, cette partie de la Tunisie était reliée à la mer Méditerranée, mais depuis ces millénaires, eh bien, l'eau s'est évaporée et le sel est resté. Un shot fantastique, nous en sommes un petit peu au nord. Nous sommes exactement à 6 km au nord de El Ritan, sur votre carte, complètement à l'ouest de votre carte, El Ritan, voyez-vous? Tout à fait, c'est repéré. Nous ne sommes pas très combien loin, de kilomètres? À 6 km au nord de El Ritan, pas très loin de Nefta, pas très loin donc du shot El Jirid. Jirid, cela veut dire palme. Eh bien, à Nefta, il y a 400 000 palmiers irrigués par 152 sources. C'est bien sûr un paradis. Nous sommes toujours pour cette chasse au trésor dans les plus beaux coins du monde. Je vais retrouver tout de suite l'hélicoptère qui est un Bell 206 et son équipage qui sont en train de boire le thé dans un campement de bédouins. Nous allons les retrouver, Jean-Yves Leméner et Serge Beaupère, si vous voulez bien prendre le thé. Je vous rends la parole, Didier, et je vous retrouve tout à l'heure. Merci Philippe, à tout de suite. Alors je vous présente les candidats. Bonjour. Qui sont bonjour. Souriants et tout à fait prêts à partir à cette chasse aux trois trésors, Richard et Marianne Karoubi. C'est ça. Vous êtes belges, oui. Vous êtes de Bruxelles. De Bruxelles. Bien. Vous êtes, Marianne, dans la recherche historique. C'est ça, c'est vous ça. Faites de la recherche sur ces pays d'Afrique du Nord, non? Pas du tout. Ouf, je fais de la recherche sur l'histoire du mouvement ouvrier belge. Ah, c'est plutôt sociologique, alors, comme type de recherche. Sociologique. Et vous, Richard, vous êtes étudiant en médecine. C'est ça, oui, en quatrième année. En quatrième année, donc pas encore au stade des spécialités, non, c'est non, la médecine générale. Tout à fait, bien. Oui. Alors, j'espère que vous allez gagner. Nous accueillons Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Savez-vous que c'est dans cette région du sud tunisien que nos hirondelles passent leur hiver? Ah bon? Alors, puissent-elles vous porter chance pour cette chasse au pays des oasis? En tout cas, la chance, moi, je pense qu'elle se trouve plutôt dans cette documentation, dans ces livres. Cherchez bien et vous trouverez la solution des énigmes. Vous pourrez aider et guider Philippe sur place. Alors, bonne chasse. Merci. Merci. Merci Elsa, voilà Philippe, nous sommes prêts. Eh bien écoutez, nous le sommes presque, le chronomètre n'est pas encore parti. Alors je vais vous présenter le sergent-chef Cem Hani, le sergent-chef Turki et le sergent Ben Hamoud qui vont piloter le Bell 205 qui est derrière. On boit juste un petit thé et on démarre. Un petit thé si vous voulez. Un petit thé et on démarre. Nous on n'a pas de thé mais vous pouvez le boire à notre santé. Ok. Voilà, je prends la première enveloppe, elle vaut 17 123 francs belges et 2 500 francs français. Attention Philippe, le thé est terminé. Je passe le verre à Jean-Yves et j'appuie sur le chronomètre. Top chronomètre. Ok. Top chronomètre. J'en suis ému tellement nous avons hâte de partir. Alors, voici cette première énigme. Nous avons rendu hommage à l'œuvre de ce saint. Choukran, choukran. En déposant sous l'arche un régime de date. Oui. Je relis cette énigme pour oui. Vous, Philippe, pour les candidats, pour les téléspectateurs. Nous avons rendu hommage à l'œuvre de ce saint, S-A-I-N-T, en déposant sous l'arche un régime, non de banane, mais de date. D'accord. Okay. Alors, c'est alors, à vous de jouer. Philippe, oui. Donc, ce qu'on cherche, c'est un régime de date. Oui, d'accord. Ok, sous une arche. Et on va maintenant chercher le saint. Tu peux, je crois, faire partir l'hélicoptère. On va chercher quel est ce saint. D'accord.
Vous pouvez partir en hélicoptère. Ok. Voilà, j'avais mis un petit peu haut l'hélicoptère. Je crois que vous démarrez à environ 6 km, hein, Philippe vous de Nefta. C'est ça même, à 6 km au nord de Elritan. D'accord. Ok. Ça. Alors, on cherchait un saint qui serait né sans doute en Tunisie. Alors, ça me dit quelque chose, mais je ne vois plus lequel. Alors, nous sommes dans la région de Nefta Tozer. Hein, je crois que la bonne méthode. Je vais chercher. Vous qui êtes dans la recherche. Dans la recherche historique. C'est peut-être de regarder aux tables de matière et peut-être de concentrer vos recherches sur cette région de ces deux villes de Nefta. Je crois qu'on doit chercher dans le domaine historique parce que les saints. Quel est le saint qui est. Il y en a un. Il y en a un. Oui, oui. Bon, on nous parle aussi d'arches dans l'énigme. Donc, j'ai vu sur la carte qu'il y a des ruines aussi près de Nefta, Philippe. Oui, des ruines près de Alors, Nefta. Alors, vu que vous n'êtes pas très loin, vous pouvez peut-être descendre par là. Tu as les ruines de Zafrana. Alors, on parle d'arches, je pense que ça fait un rapport. Ah oui, je vois, à l'est de Nefta. Ah oui, il faudrait peut-être pas partir maintenant, parce qu'on n'est pas sûr, il y a deux... Okay. Il y a deux... Vous voulez qu'il descende vers Nefta. Oui, et peut-être à ce moment-là, demander à quelqu'un s'il ne connaît pas les saints de la région. D'accord. Ok. Je peux essayer de survoler Nefta. Il y a deux méthodes. Il y a deux possibilités. Ou Philippe décolle tout de suite, ou il interroge les Tunisiens qui sont autour de lui. Je crois qu'il est parti, hein. On lui a demandé de partir. Oui, il lui demandait de décoller. D'accord. Voilà, Richard, nous n'avons pas encore décollé, mais ça ne serait tardé, l'hélicoptère, les pales tournent. Nous faisons les derniers réglages et nous décollons. Non, mais il y a un saint qui est né en Tunisie, dont le nom m'échappe maintenant. Là, il vous échappe, il est juste complètement... sûr que vous allez le retrouver. Oui. Alors, utilisez, c'est un saint, comme vous l'a dit Elsa, la documentation. Oui. Je vais vous aider, bien sûr. Si on peut décoller et survoler Nefta, et si on peut atterrir à Nefta pour que je trouve quelqu'un et poser quelques questions. Oui, mais il faudrait peut-être s'approcher des ruines de Zafrana, c'est peut-être là. Si on peut survoler les ruines de Zafrana. De toute façon. S'il vous plaît, chef. C'est-à-dire, si on peut voir la carte, ici, à côté de ces très beaux palmiers dessinés sur cette carte, ruine de Zafrana. C'est là que vous souhaitez aller, hein, Richard? Eh bien, on va essayer là. Hein. D'accord. C'est en fonction de l'arche, hein, donc on nous parle d'une certaine arche. Alors, nous avons rendu à hommage à l'œuvre de ce saint. Vous dites, Marianne... Qu'il y a un saint qui est né en Tunisie, dont le nom m'échappe parce que on ne peut pas se rappeler de tout le temps. C'est quelque chose que vous avez appris en lisant quelques livres sur la Tunisie. Non, c'est un saint très connu, dont le nom m'échappe complètement. Donc Philippe a décollé, nous allons plonger dans les livres. Alors moi, je cherche Nefta parce que... Alors, regardez les livres, peut-être, qui concentrent plus leurs indications sur Nefta, puisque vous allez vers Nefta. Hein. Oui. Oui, le livre bleu. Il y a le livre bleu, là, ici. Oui, voilà. C'est moi qui l'ai. Aussi. Alors, regardez peut-être à Nefta, si on parle d'un saint. Oui. Vous dites qu'il est connu, selon vos souvenirs. Selon mes souvenirs, c'est complètement idiot de... Bah, nous sommes en vue de Nefta qui n'est pas très loin alors. Alors Philippe, nous n'avons pas encore trouvé. Oui, écoutez, moi je vous propose de survoler la ville, d'aller vers, parce qu'il faut que je la traverse pour aller sur les ruines de Zafrana. Si je peux, si je les vois, je les survole. Si je peux trouver un terrain pour atterrir et poser quelques questions, c'est ce que je ferai, je pense. Nefta, NEFTA. Je peux demander si les gens connaissent les différents saints. Ok. Nefta, reine du désert, etc. Constitue l'étape indispensable à tout voyage en Tunisie, l'oasis. À l'écart de la petite ville, semble être une réduction hésitante de Tozer. Le quartier séparé. On nous dit toujours rien. C'est très touristique, hein, les hôtels, les restaurants. Nous sommes pour l'instant à quelques mètres du sable. Oui, mais on n'a toujours pas trouvé. Quel pourrait être le saint en question? Bon, écoutez, moi je vous propose, je vais atterrir à Nefta, si vous voulez bien, et je vais poser la question à différentes personnes. Y a-t-il des saints dans la région? Okay. Il n'y a rien sur Nefta dans ce guide-là? Et c'est l'œuvre d'un saint, donc, hein, Philippe. Donc c'est un saint qui a dû écrire quelque chose. C'est dur que ça m'échappe parce que... Écrire ou construire, l'œuvre, ça peut être, c'est pas exhaustif. Ah oui, ça peut être. Une œuvre, je ne sais pas, a priori, mais une œuvre, ça peut être dans beaucoup de domaines. Hein.
Alors, non, donc là, il n'y a pas grand-chose. Oui. Il n'y a rien sur l'histoire. Ça peut être le fondateur d'une ville, ça peut être effectivement l'auteur de livres anciens, ça peut être beaucoup de choses. Une œuvre, je pense pas qu'on puisse réduire ça à une œuvre littéraire, par exemple. C'était une première idée. Mais ça peut être ça quand même. Hein, nous ne le savons pas pour le moment. Donc nous avons rendu hommage à l'œuvre de ce saint en déposant sous l'arche un régime de date. Il faut absolument qu'on trouve ce nom, hein. Oui. Je crois que c'est important, Marianne. Attends, et dans le rue de... Mais ça m'échappe complètement. Anefta, attendez, donnez-moi ce guide, je vais vous aider à chercher. Dans ce guide, il n'y a rien. Anefta, il n'y a pas grand-chose, mais bon, il se peut aussi que ce soit ce soir. Là, on l'a envoyé à Anefta. Philippe, puisque, oui. Puisque Richard et Marianne souhaitaient que vous essayiez de découvrir une arche... Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous voyez de l'hélicoptère? Donc c'est ce que je vous disais, je quitte le sable, l'étendue sableuse, j'arrive au-dessus de la palmeraie, qui étend maintenant devant nous. La ville de Nefta est juste devant nous, je vais la survoler et je vais essayer d'abord. Je crois que le plus pressé c'est de me poser pour trouver quelqu'un. Voilà. Je demandais donc, capitaine, si on peut se poser pour que je puisse interroger des gens à Nefta, c'est possible d'atterrir dans la ville et que je puisse interroger quelques personnes. Ok. D'accord. Faites ça. Voilà, je vais donc arriver dans 15 secondes maintenant au-dessus de la ville de Nefta. Ok, Philippe, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Hein. Il vous expliquera, à Nefta donc, hein, il vous expliquera que 152 sources les irriguent. Oui. Pour que les 83 sortes de dattes, donc on retrouve les dattiers, hein, qui les composent sont fêtées au mois de mai. Je passe un petit peu. Il vous conduira au Maroc. Oui. Je suis au-dessus de ce qu'on appelle la corbeille de Nefta, oui, actuellement. Et si on peut se poser, hein, capitaine, si on peut trouver un endroit pour se poser, parce que le temps tourne et il faudrait que je puisse rencontrer des gens. Nous avons utilisé presque... voilà. Comme j'aime pas les chiffres qui ne sont pas ronds, j'attends un petit peu. Presque 10 minutes. Mais pour l'instant, je ne vois pas... d'arche. Pas d'arche. Particulièrement, non. Mais donc, ça doit être à l'est de Nefta, d'après la carte, où il y aura les ruines de Zafrana. Hein. Mais oui, d'abord rechercher des indications, hein, Philippe. Ça, c'est les ruines de Zafrana. Voilà, voilà. Mais, Philippe, je crois qu'on s'est trompé complètement. Ah bon? Parce que, voilà, le saint que j'ai retrouvé, c'est Saint-Augustin, évidemment. Peut-être se poser, là. Philippe, tu m'entends? Oui, alors, je vous écoute. Le saint en question, c'est Saint-Augustin, évidemment. Alors, Saint-Augustin? Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, c'est Tozeur. C'est à Tozeur. Alors, il faudrait redécoller immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Augustin, à Tozeur? Alors, je vois ici, je trouvais l'ancien guide. Vous voulez pas? Non, vous repartez vers Tozeur. Parce que je suis prêt à atterrir, si vous voulez que je pose quelques questions. Non, vous repartez vers Tozeur. Bon, d'accord. Nous allons vers Tozeur. Lisez-nous ce que vous avez trouvé sur Saint-Augustin. Alors ici, je suis à Tozeur. Hein. Je trouve la religion chrétienne qui est implantée à Dodona, puisqu'on y retrouve le nom de plusieurs évêques, dont Séleucus, qui correspondit avec Saint-Augustin. Ok, nous reprenons donc la nouvelle direction vers Tozeur. Ah, il y a des arches, là, tiens, non? Je crois qu'il faut chercher à Saint-Augustin et voir quel est le lien avec Tozeur. Bon. Donc, pour vous, le saint dans l'énigme, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin en Tunisie. Bon. Et en déposant sous l'arche un régime de date, l'arche serait à Tozeur. Serait à Tozeur. Ok. Alors... En tous les cas, je cherche des yeux, là, je ne... On repart, Philippe. Je vois des arches, mais dans des maisons intérieures, partout. Je ne vois rien de particulier, je prends donc la direction de Tozeur. Oui. Ben, dans la documentation, Philippe, hein, Tozeur, donc il y a énormément d'architecture donc du 14e siècle aussi, avec des hautes murailles sans fenêtres, qui pourraient être des arches, bordées d'arcades. Oui, il doit y avoir un rapport avec les arches, il doit y avoir un bâtiment à Tozeur, qui soit en relation avec la religion chrétienne. Marianne oui. Le saint que vous avez trouvé donc dans la documentation, c'est un saint catholique? Oui. Ah oui, c'est un saint catholique, c'est Saint-Augustin.
reçu ces théories sur la vie. Il est venu en Tunisie. Il est né en Tunisie. Il est né en Tunisie. Un saint d'origine arabe. Alors, moi je suis un petit peu. Là, je suis en train de réfléchir en vous écoutant. Oui. Nous avons rendu hommage à l'œuvre de ce saint en déposant sous l'arche un régime de Bath. Je suis un peu sceptique sur saint Augustin parce que c'est pas un pays catholique, on est bien d'accord. Ah oui. Non, c'est pas un pays musulman. Mais des saints, ça ne peut être qu'un chrétien. On peut voir des saints musulmans. Des saints, mais. J'essaie de réfléchir, hein, qu'on ne part pas sur une fausse piste. Parce que, effectivement, vous aviez trouvé tout à l'heure qu'il y avait des ruines. Mmh. Je vois pas très bien comment vous reliez Saint-Augustin. Je voudrais que vous le redisiez alors, hein, que ce soit très clair. Comment vous reliez Saint-Augustin à l'énigme, surtout. À l'énigme. Mais à Tozer, il n'y a rien de. J'ai lu sur Tozer, hein, Marianne, il ne parle pas Saint-Augustin. Mais il ne parle pas de saint à Nefta, non plus. Il n'y a pas de saint à Nefta. Non. Et je ne trouve pas de documentation sur saint Augustin. Je suis Marianne et Richard. Oui. Nous sommes un petit peu ennuyés, Philippe, car on a des incertitudes sur ce saint. Oui, de mon côté, je suis au-dessus du désert. Je ne peux pas vous aider beaucoup. Oui. J'espère que le voyage qui va nous emmener à Tozer ne va pas être trop long et que je vais pouvoir interroger des personnes et trouver ce saint, Saint-Augustin. Et on arrive difficilement à trouver des renseignements sur Saint-Augustin. Philippe, on compte un peu sur vous pour demander des gens, moi, je crois aux que, gens là-bas. Franchement, hein, on aurait dû suivre Philippe et demander tout de même à Nefta. Je crois que partir à Tozer, donc complètement de l'autre côté... C'est-à-dire, Philippe, il y a bien une quinzaine de kilomètres pour Tozer. Pour moi, il y en a plus que ça, 20, 22, 23. Ouais. Nous sommes. Je suis un petit peu ennuyé qu'on n'ait pas au moins poursuivi notre recherche. Mmh. Enfin, c'est vous qui décidez. Oui. Trois minutes. Non, toujours des problèmes pour... Les studios ? Oui, oui, oui. Bon, Philippe, vous êtes où alors ? Philippe, écoutez, nous avons traversé donc la partie du désert qui est entre Nefta et Tozer. Nous arrivons sur Tozer maintenant, qui est une palmeraie, une immense palmeraie également. Philippe, oui. Est-ce que ça prendra beaucoup de temps de descendre et de demander des renseignements aux gens? Bon, quelle est votre idée? Parce que là, on vient de retrouver, hein, en cherchant... On peut se poser le plus près possible, là, s'il vous plaît, capitaine. En tout de suite, si on peut trouver quelqu'un, tout de suite. On vient de trouver, il vous... Donc, dans si Nefta... Allez-y, attendez, j'y l'avais trouvé... Le temps tourne, attention, hein. Et voilà, il vous conduira au marabout de Sidi Bou Ali, qui est le lieu saint le plus vénérable des 100 marabouts et 24 mosquées de Nefta. Donc, le lieu saint le plus vénéré des 100 marabouts, à mon avis, ça peut être une bonne chose. Voilà. Ah oui, alors, c'est plus Saint-Augustin, le saint catholique, c'est... Je repars sur Nefta. Oui. Oui. Non. Attends. Est-ce que... Vous allez faire tourner en bourrique. Vite, prendre des décisions, Philippe, Richard et Marianne. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps de demander quelque chose aux gens? Bon, est-ce que cette liste vous paraît bonne? Pas forcément, c'est pas forcément. Ça. Vous restez donc, sur Saint-Augustin? Oui, à Tozer pour le moment. On va essayer de demander à quelqu'un si c'est rapide. Est-ce que ça peut être rapidement? Philippe? Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des gens tout près de vous? Il y a des gens tout près. Tout près de moi, je n'ai pas encore atterri parce que vous me dites qu'on part sur Nefta. Alors je ne sais pas s'il faut que je reste en l'air pour faire du bouton tout de suite ou atterrir pour poser des questions. Philippe, je suis un petit... Oui. Calmement. Est-ce que vous pouvez demander quelque chose à des gens rapidement là maintenant? Oui, le capitaine, est-ce qu'on peut me poser rapidement? On peut se poser rapidement. Redonnez le nom de Je suis au-dessus de la ville, au-dessus de la palmeraie, ce n'est pas évident de se poser. Oui. Et moi, je ressorte un petit peu en limite, à moins qu'on tourne un terrain. Est-ce qu'on peut se poser, capitaine, le plus vite possible, le plus vite possible. Et vous demandez, hein, à des personnes s'ils connaissent Sidi... Là, Sidi Bou Ali. Le terrain. Qui est donc... Comment attends. On va pouvoir se poser devant, là. C'est pas à Tozer. C'est pas à Tozer.
Du calme. Oui. Cela dit, on est à Tozeur. Effectivement, vous êtes parti sur la piste de Saint-Augustin. Je crois qu'il faut... Oui, on se pose, oui. Philippe, il faut vite demander. Hein, voilà, parce que là, on perd beaucoup de temps. Le Pelle de 105 est en approche. Nous allons nous poser. Attention, les enfants qui sont devant. Donc, je résume la situation, Philippe. Oui. Pour Marianne, cette énigme est reliée à l'histoire de Saint-Augustin. Oui. Vous n'en êtes plus sûr. Bon. Bah, je vais demander... Pour Richard, il s'agit d'un... Merci. Ça pourrait être un saint d'un marabout. Sidi Bouali. Nous avons de la chance, il semble qu'il y ait une école ici. Je vais essayer de demander tout de suite au professeur. Oui, ça c'est une très bonne idée. Donc si vous voulez, on est dans plein dilemme parce que pour Richard, c'est retour à Nefta et pour Marianne, c'est recherche à Tozeur. Pardon monsieur, le professeur de l'école, est-ce qu'il y a un professeur? Vous êtes professeur monsieur? Excusez-moi, Marianne. Alors, comme question. Marianne, c'est pas le contraire. On est à Tozeur. On est à Tozeur. Merci, monsieur. Merci bien. Bon, un saint chrétien ou un saint musulman? Quelle est votre idée? D'après les Bonjour, monsieur. Vous êtes professeur à l'école. Non, mais d'après vos recherches. D'après nos recherches, on est à Tozeur. Donc, on va poser les questions sur Saint-Augustin. Il y a un rapport. Marianne, je suis un professeur de l'école, je vais lui passer le casque. D'accord, alors vous allez dialoguer avec lui directement. Attention. Bonjour, monsieur. Monsieur. Le temps de lui donner le casque, hein. Allez, parler. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, est-ce qu'il y aurait à Tozeur un endroit où serait passé Saint-Augustin? Ne touchez pas votre micro. Oui, je suis vraiment enchanté avec cette occasion. Je veux bien vous donner une idée sur Tozeur et sur l'histoire de Tozeur. Nous sommes juste à Chebia. Oui, mais monsieur, est-ce qu'il y aurait un endroit où Saint-Augustin serait passé? Par ici? Oui. C'est fort possible. Ah bon? Non, mais... Vous savez, c'est pas possible ou c'est fort possible? C'est fort possible, c'est fort possible. Il n'y a pas un endroit très connu où il serait passé? Personnellement, je ne suis non, pas Non, vous ne savez pas. Ok. Bon. Alors, c'est que... Non, moi, je crois qu'on s'est complètement le perdu. Aussi. Oui. Pardon? Que, monsieur, est-ce que vous savez si à Nefta, il y a eu quelque chose qui a à voir avec le marabout de Sidi Bouali? Et est-ce que Sidi Bouali est un grand saint connu en Tunisie? Oui. Oui, oui. C'est ça. Philippe. Oh là là, alors Philippe. Là, on est parti sur une fausse piste, hein, complètement. Bon, Philippe, vous repassez le casque à Philippe, s'il vous plaît. Bon, merci monsieur le professeur, vous repassez vite le casque à Philippe. Ah, pardon. Philippe, vous m'entendez? Oui, ça y est, je voilà, reprends Philippe. Le casque. Oui. Il faut repartir, hein, c'est ça. Bon, je repars. Vous repartez le plus vite au possible, revoir, monsieur, excusez-moi d'avoir dérangé, merci, au revoir les enfants, et bon après-midi. On a complètement fait comme ça. Il faut repartir à Nefta très très vite, oui, Philippe. Ok, on y va. Il nous reste 26 minutes. Merci. 15 secondes. Alors ça y est, on a Philippe. On confirme la piste de Nefta donc. Hein. Il faut que je reparte. Oui, vous repartez sur Nefta le plus vite possible. Confirmé. On a confirmé là ici. On devrait chercher normalement à Nefta le mausolée de Sidi Bouali. De Sidi Bouali. Donc il serait le saint musulman. Nous repartons. Donc Saint-Augustin, complètement abandonné. Oui, c'est le saint musulman. Dès que Jean-Yves et Serge arrivent, ok, excusez-moi de vous faire courir comme ça. Philippe, oui. Vous m'entendez? Je vous écoute. Bon, alors la ville ne compte pas moins de 127 tombeaux ou mosquées qui attirent un grand nombre de pèlerins et dévots. La plus remarquable sont la grande mosquée au centre de l'agglomération. Donc il faut essayer d'aller au centre de l'agglomération. Au centre de l'agglomération, bon, d'accord. Avec le mausolée de Sidi Bouali. Marianne, dites-nous ce que vous avez fait. Alors Philippe, vous êtes en route pour Nefta. Voilà, nous venons de décoller à l'instant. Okay. Alors je lis ce que je trouvais sur Sidi Bouali. Hein. C'est un saint né au Maroc venu à Nefta. Et la légende rapporte que... passant par Tougou, il y aurait recueilli les noyaux de date qui sont à l'origine des palmeraies du Géride. Alors là, on est en plein dans l'énigme. Hein. Ah bon, donc c'est sûr et certain, je vais revenir à Tozeur. Allô, oui? Oui, c'est sûr et certain, maintenant c'est Nefta, c'est sûr. C'est Nefta, c'est sûr. Oui, on s'est complètement trompé. Là, on est parti sur une piste. Ce qui serait bien, Marianne et Richard, ce qui serait bien, c'est que vous me localisiez précisément, si vous avez la bonne documentation, précisément l'endroit où je dois aller, que je ne perds pas de temps à survoler la ville. On recherche là. On est parti sur la piste de Saint-Augustin, saint catholique, et c'était un saint musulman. Donc nous sommes repartis dans l'autre sens. Si vous pouviez me localiser précisément parce que... Oui, on cherche. D'accord, je vous fais confiance. On cherche une carte de Nefta. Hein,
Philippe nous dira ça. Alors, Philippe, où en êtes-vous de Nefta, car nous sommes sur le chemin du retour. Nous revenons effectivement sur Nefta. Nous ne sommes plus très loin maintenant. Nefta est en vue, mais bien sûr, face à nous, je ne sais pas encore combien de kilomètres. Bien. Nous allons assez vite de toute façon, donc nous n'allons pas tarder. Avez-vous encore une fois une position précise à me donner où je pourrais atterrir directement avec l'hélicoptère ? Marianne. Non, écoute, Philippe, nous n'avons pas trouvé la position exacte du marabout, mais il faudrait descendre à peu près dans le centre de la ville, le plus près du centre possible, et demander aux gens qu'ils vous conduisent au marabout Sidi Bou Ali. Ça doit être un lieu connu. Attends, Sidi Bou Ali. Ben oui. Alors, regardez la carte. À l'entrée de la ville, après cet hôtel à gauche. C'est marqué là, hein, Beni Ali. Sidi Bou Ali, c'est l'abréviation de Sidi, j'imagine. Bou Ali, hein, donc c'est là. Hein, j'aurais bon. On regarde bien. Là, Philippe. Oui. Bon, prenez plutôt à droite à l'entrée de la ville. Je suis en train de lire un document. Hein. Philippe, oui, prenez Philippe. Plutôt à droite à l'entrée de la ville. C'est au sud. Hein. C'est au sud de la ville, là. C'est marqué sur la carte. Ah bah oui. C'est au sud. Ah oui, c'est au sud. Philippe, c'est au sud. Philippe, sur votre carte, il y a marqué Beni. Beni Ali. Sidi Bou Ali, il y a Sidi Bou Ali. Sidi Bou Ali, ok. Sur votre carte, c'est marqué. Hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ma carte ? Sur votre carte, sur la carte. Au sud de Nefta. Il y a marqué quoi ? Sidi Bou Ali. Le nom du saint est marqué. Ah, effectivement, okay. Je l'ai également sur ma carte. Sidi Bou Ali. Est-ce que vous avez un plan ? C'est donc au sud de Nefta. C'est ça, il faudrait se poser à peu près là et demander le marabout. J'indique au pilote de l'armée tunisienne. Nous allons sur Sidi Bou Ali. Sidi Bou Ali. C'est possible, ok ? Alors le plus rapidement possible, voilà. Nefta est encore assez loin, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai vu une palmeraie, j'ai cru que c'était Nefta, mais pas du tout, ça était une petite. Nefta est encore peut-être à 2-3 km de nous, mais nous y allons. Marianne et... Ah là là, on a perdu du temps là. Et Richard, nous avons, je relis le livre, hein, car nous avons, là, on a un petit peu pataugé, hein, faut bien dire. Nous avons rendu hommage à l'œuvre de ce saint, donc c'est Sidi Bou Ali, maintenant on le sait, en déposant sous l'arche, on revient à l'arche, un régime de date et de trésor. Ça vous fait penser à quoi, l'arche ? Ça doit être le portail du... Je ne sais pas à quoi ressemble le marabout, c'est un bâtiment, je suppose, et il doit avoir le portail du... Donc c'est un ensemble d'édifices... Il faudrait que Philippe nous décrive dès qu'il dit qu'il est à l'endroit. Là, moi, j'ai quand même quelque chose. Hein. Allez-y. Donc, ce que vous êtes en train de dire à Philippe... vous trouverez bien un jeune homme prêt à vous conduire dans le dédale de 1100 hectares. Bon, il vous expliquera les 152 sources. Hein. Il vous parlera avec fierté du nouveau puits artésien ou Longfort. Et il vous conduira au marabout de Sidi Bou Ali. C'est le lieu saint le plus vénéré. Voilà, donc on cherche le marabout. Oui Philippe. Mais je suis au sud. Conduire, hein. La ville de Nefta est donc sur notre droite. Oui. Nous sommes au sud. Et sur ma carte, j'ai bien Sidi Bou Ali. J'ai indiqué au pilote. Nous survolons la palmeraie. Et nous allons nous poser dès que nous pourrons trouver un endroit au-dessus. C'est en pleine palmeraie. Alors, Philippe. Oui. Il faudrait chercher le mausolée de Sidi Bou Ali. Le mausolée de Sidi Bou Ali, oui. Il faudrait demander. Hein. Ça doit être un bâtiment, mais nous n'avons aucune photo. Pour vous dire à quoi ça ressemble. Ah bon ? Bon, quelle peut être l'œuvre, et ça peut nous aider, Richard et Marianne. Dans tous les cas, sur ma carte, Sidi Bou Ali se trouve dans la palmeraie, je la survole au sud de la ville de Nefta. Je devrais le voir. À votre avis, quelle peut être l'œuvre de ce saint ? On cherche à mausolée. Ça peut être des écritures saines, ça peut être... Non, on a dit à certains moments... C'est peut-être ça, non ? Dans un des livres, il avait écrit qu'il avait planté Sidi Bou Ali, la palmeraie. Alors, c'est peut-être ça, le mausolée ? Donc, je suis au-dessus, au milieu, au cœur de la palmeraie, au sud de la ville de Nefta, je vois un mausolée, je vois un marabout. Avec un arche, Philippe, regarde, essayez de bien voir les arches. Il y a un arche. Posez-vous, Philippe. Je vois des arches, oui. Bon, on peut se poser le plus près possible, ça m'étonnerait que l'hélicoptère puisse se poser là. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'atterrissage, capitaine, pour nous poser le plus près possible ? Philippe, là, oui. Marianne vous explique que l'œuvre de ce saint, donc Sidi Bou Ali, c'est d'avoir planté la palmeraie. On est bien d'accord. Hein ? Et, cap-
capitaine, si on peut trouver un endroit pour se poser. Et on lui a rendu hommage, si je comprends bien ce que vous avez cité, si on peut se poser, en déposant sous l'arche un régime de date. Ça veut dire, je crois qu'il faut ressortir symboliquement. Oui, c'est ça. Ok, donc on a bien compris l'énigme. Écoutez, Marianne et Richard, je suis malheureusement obligé de ressortir un peu de la palmeraie. Il y aura peut-être une course de 500 mètres à faire. D'accord. On vous fait confiance, Philippe. Je ne peux pas poser tout près d'eux. D'accord. Pour la course, on vous fait confiance. 19 minutes 5 secondes, c'est le temps qu'il nous reste. Un maximum, là. Bon, donc vous êtes sûr? Vous avez trouvé tous les documents? Tout à fait. Il nous manque la carte et le détail, si vous voulez, du mausolée, mais normalement c'est là. Mais l'œuvre, nous l'avons compris, le saint, nous l'avons trouvé. Là, ça fait partie du marabout, c'est ça, Richard? Oui, normalement. Voilà. Et le régime de date, c'est symboliquement l'hommage. Vous pouvez aller jusqu'au marabout? Oui, Maria, je vais le faire, je l'ai bien vu du ciel, donc je prends la direction du marabout, voilà, je descends l'hélicoptère, suivi de Jean et Vester, et là, on va démarrer la course. Ok, on y va. Si on pouvait prendre des ânes, Jean-Yves, viens. Je vais essayer de les arrêter. Parce qu'on va chercher, il y a 500 mètres au moins à faire. Oui. Je vais essayer. Vous pour nous sauver la situation. Hein. Messieurs, on peut prendre des ânes. On peut aller là-bas avec un âne. Ça ira pas plus vite peut-être. Ça ira pas plus vite. Je sais pas. On commence à y aller. Venez avec moi et puis on va réfléchir. Venez par ici, s'il vous plaît. Venez avec moi. Jean-Yves, on continue à y aller. Si tu penses que tu peux monter sur un âne, tu crois que tu peux? Tu peux le faire? Non? Philippe, tu crois que ça ira plus vite en âne? Écoutez, je sais pas. Je pose la question à Jean-Yves et Jean-Yves me dit que non. Alors on y va. Je préfère quand même qu'ils nous suivent. Venez avec moi hein, quand même. On sait jamais si on est fatigué. Non. On montera peut-être sur les ânes. Regardez un état. Pas de photo. Voilà, alors je prends un chemin au milieu de la palmeraie, je me retourne, je devrais prendre un appareil photo la prochaine fois pour photographier Serge et Jean-Yves. Oh là là, il n'y a pas, vous n'avez pas un ami qui a une voiture? Allô? Une voiture ou une charrette? Bon, Philippe est en train de dialoguer avec les Tunisiens. Vous pouvez chercher une charrette pour mes amis, s'il vous plaît? Tiens, envoie-le une, Jean-Yves, écoutez, 17 minutes, Philippe. Je vois une charrette. Faites demi-tour, monsieur, faites demi-tour, s'il vous plaît. Vous pouvez faire demi-tour? Vous pouvez faire demi-tour? Voilà. Merci, Philippe. Le plus vite possible, donc. Hein. Oui, stop. Attention, allons-y. Allons-y, stop, merci. Tu montes, Jean-Yves. Tu montes, vite. Je monte avec vous, monte sur la charrette. Je peux monter avec vous? Philippe? Oui. Ah, okay. Je sais pas comment faire. Allez, on y va. Allez, hop. On y va le plus vite possible, maintenant. C'est parti. Décrivez-nous la situation, Philippe. Écoutez, la situation est comique, mais c'est la chasse au trésor. Je suis moi-même sur un âne. Et puis voilà, Jean-Yves et Serge ont pris une charrette. Mais vous avez raison, je crois qu'on va pas plus vite. Alors je crois que je vais descendre de cet âne et je vais aller directement là-bas. Le marabout de Sylvie. Le plus vite possible, monsieur. Le plus vite possible, allez, c'est un bon cheval, ça. Allez, viens vite. Oh là là, là, on perd du temps. Combien de temps reste-t-il? Il n'y a pas d'arche, mais il reste pas beaucoup, Philippe. Pas beaucoup? Non, 16 minutes. Combien? 16 minutes. Ah voilà, ça y est, le cheval vient de prendre un galop. Bah alors là, j'aurais dû rester sur l'âne, mais non. Ne tombe pas. Hein. Moi, j'y vais en courant. Est-ce que, alors, bon, dites-moi un petit peu. Je vais arriver au mausolée. Et au mausolée, il doit y avoir, vous devez pouvoir voir une arche. On ne la voit pas, on ne la trouve pas. Il n'y a pas de photo. On a juste une photo d'un mausolée, mais bien précis. Bon. On doit pouvoir trouver une arche au mausolée. Et sur cette arche, donc, des dates. Voilà, je suis en vue maintenant. Oui. Du mausolée. Philippe, est-ce que vous pouvez trouver une arche? Il y en a une, on en voit une, mais... Je vais rentrer. Alors, attendez, il faut donc que je trouve une arche. Est-ce que c'est important comme ensemble architectural ou... C'est Sidi Bouali, monsieur. Sidi Bouali. Sidi Bouali. Je suis là, Sidi Bouali. Jean-Yves et Serge, je rentre. Je passe une arche, mais... Est-ce que vous voyez une arche? Écoutez, j'entends de la musique, je ne sais pas si c'est... Écoutez, il y a une fête religieuse. Je ne sais pas si on peut rentrer. Philippe. Oui, écoutez. 14 minutes 54 secondes. Nous en sommes toujours à la première énigme. Je suis dans un marabout. Messieurs, je suis à la... Oh là là, c'est en pleine fête, mais je dérange peut-être. Attendez, je cherche, monsieur, une arche, je cherche des dates. C'est bien. Les studios. Oui. Les studios. Oui. Je cherche bien un régime de date. Un régime de date sous une arche. Alors je vais demander. C'est l'arche. Je fais les arches. Est-ce qu'il y a une arche? Plusieurs arches, peut-être. Monsieur, je cherche un régime de date.
Est-ce qu'il y a une arche? Je rentre, je passe là. Écoute, Philippe, c'est peut-être un... C'est soit le portail d'entrée, peut-être. Je suis... Je cherche un régime de date. Non, non, il faut... Philippe! Philippe, il faut chercher l'arche. Là, je sais pas où je vais. Là. Oh là là, c'est tout noir. Mais... Ah non, où est le portail? Philippe, ça doit être le portail d'entrée. Je suis rentré... Le portail? Oui. Par ici? Je cherche une arche, monsieur. Le portail d'entrée. S'il vous plaît. Il y a une arche sur cette photo là. Il y en a une petite là, mais c'est... Attention, les studios! Oui. T'as 4 heures, stop! 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 Ça y est. Merci Philippe. Merci. Vous avez les dates? J'ai un régime de dates. Entre les mains. Avec un ruban. Non, il n'y a pas de ruban. Philippe, vous avez sauvé l'honneur. Mais non. À Doudan, on est arrivé. Je vais peut-être... On est minable. Écoutez, je vais peut-être quitter là. Je vais vous laisser, je vais laisser Elsa parler pendant que Jean-Yves fait des images. D'accord. Okay. Parce qu'ils sont en pleine, comment dirais-je, fête religieuse. Ah oui. Okay. D'accord. Ils dansent. Donc il faut respecter absolument cette fête. Vous pouvez rejoindre l'hélicoptère? Oui, Maria. Bien, 13 minutes 50 secondes, c'est le temps qu'il vous reste. Vous avez trouvé la première énigme, 7123 francs belges. Saint-Augustin nous a bien égarés, Elsa. Et écoutez, beaucoup de temps, cette aventure Nefta, Tozer et retour, vous savez, ça vous coûte énormément de temps. J'en ai froid dans le dos, mais enfin, vous savez, rien n'est encore perdu. En tout cas, nous avons rendu à Sidi Bouali ce qui revient à Sidi Bouali, c'est-à-dire ce régime de date. En effet, selon la légende, c'est lui qui, le premier, dit-on, planta des palmiers dattiers, des phénix dactyliféra, dans cette région du sud tunisien. Et si l'on en croit la légende, c'est à lui que le Bled El Djerid, c'est-à-dire toute cette région qui est composée de 4 oasis, Tozer, El Hama, El Oudiane qui n'est pas sur la carte, et notre merveilleuse Nefta dont nous a parlé si joliment au début Philippe. C'était d'ailleurs un petit peu un piège parce que l'hélicoptère est parti vraiment tout à côté de l'endroit du trésor. Et c'est peut-être ce qui vous a induit en erreur et qui vous a engagé à aller à Tozer. Alors qu'il fallait en fait rester tout près de... Le vieux souvenir chrétien de Saint-Augustin. Ah oui, mais des saints, il y en a partout. Il y a des saints musulmans, dont ce Sidi Bouali. Alors, ce pays, El Djerid, signifie le pays des palmes. Il y en a 1,5 million à peu près dans ce pays. Et ces dates sont tellement réputées dans le monde entier, on les appelle... doigts de lumière, c'est-à-dire des glatnour, ce sont des dattes absolument merveilleuses que l'on exporte. Elles sont sucrées, ambrées, elles sont merveilleuses. C'est sûr que Philippe nous en ramènera. Oh, j'espère bien. Enfin, grâce, selon la légende, à Sidi Bouali, ce saint homme venu du Maroc, qui eut la bonne idée de s'arrêter à Togourt, en Algérie, de ramasser quelques noyaux de dattes, Marianne l'a lu dans le livre, de les planter dans cette région... Et qui a fait donc la prospérité de cette région. Alors, on lui devait bien, ça se passait au XIIIe siècle, on lui devait bien ce mausolée, ce marabout fort célèbre à ce saint. Il est enterré là? Il est enterré là, c'est là qu'il a vécu, c'est là qu'il est enterré. Mais Nefta est une ville religieuse par excellence. Vous doutez bien qu'il n'est pas venu pour planter des dattes. Non, il est venu pour d'autres raisons. Il voulait combattre les théories schismatiques que préconisaient les habitants de Nefta. Et on lui a donc construit ce merveilleux mausolée où nous avons trouvé ce régime de dattes. Bien. Merci Elsa de toutes ces précisions historiques et qui nous ont bien fait comprendre tout ce qui concernait Sidi Bouali. Allez, encore s'il vous plaît. Philippe. Oui, j'ai repris la charrette. Oui. Et je suis monté moi-même dessus parce que ça va quand même plus vite. Et comme là ça monte, je préfère. D'accord. Et nous rejoignons l'hélicoptère, il est maintenant. Comme nous avons perdu merci beaucoup Elsa. De temps. S'il vous plaît, plus vite, encore. Il est à 200 mètres, mais vous pouvez nous laisser encore un tout petit peu de temps. Elsa, vous avez sûrement quelque Alors, chose à dire. Vous avez sûrement écoutez, quelque chose à dire. Philippe, il nous reste 13 minutes 50 secondes. Vous savez que l'émission doit faire un tout petit peu moins d'une heure au total. Oui, on ne peut pas parler trop longtemps. Hein. Oui, pas trop longtemps. Y a pas mais, de alors, on vous a demandé de nous ramener des dates. Oui, voilà. Alors, je vais vous les montrer, si vous voulez Et bien. On a gagné maintenant 20 secondes, mais on doit repartir. On doit repartir, Philippe. Donc, assez important. Et l'hélicoptère est là-bas. Oh, d'accord, on y va. On doit repartir. Cette énigme vaut 34 246 francs belges, c'est-à-dire 5000 francs français. Richard et Marianne sont très motivés parce qu'ils veulent absolument se rattraper sur cette deuxième énigme. Attention Philippe, top chronomètre. Voici la deuxième énigme. C'est bien parti. Et nous allons aller très vite, je suis sûr qu'on va trouver très vite. Allez, encore s'il vous plaît, encore s'il vous plaît. Chassé du paradis, Messaoud dans son panier au creux du
Jujubier, attend voilà, sagement qu'on l'embrasse. Alors je relis cette énigme. Alors, chassé du paradis, oui. Messaoud dans son panier, oui. Au creux du jujubier, attend sagement qu'on l'embrasse. Oui. Bon. Okay. Alors, mais on va chercher tout de suite qui est Messaoud. Oui, merci beaucoup. On va chercher tout de suite qui est Messaoud. Okay. Le jujubier, c'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre, oui, des petites. C'est un arbre. D'accord, c'est vrai. Oui. Chasser du paradis, Messaoud. Donc on va chercher tout de suite Messaoud. Okay, si alors, chasser du paradis, Messaoud dans son panier au creux du jujubier, au creux d'un arbre, attend sagement qu'on l'embrasse. Philippe. Oui, je vous écoute. Philippe, alors. Alors, Marianne, chercher à jujubier au paradis peut-être. Alors, le trésor, ça sera donc. Embrasser Messaoud à première vue. Embrasser Messaoud. Qui va se trouver. Ça peut être quelqu'un de là-bas. Hein. Oui. Qui. Nous vous souhaitons une jolie Tunisienne de ce prénom. Oui. Excusez-moi, Didier, de vous interrompre. Oui. Est-ce que je décolle ou est-ce que je reste sur la terre pour l'instant? Non, vous pouvez attendre parce qu'on ne sait pas du tout où se trouve le jubilé. D'accord, nous attendons un peu. Alors, attention, Marianne, hein, nous avons 12 minutes 28 secondes, il reste deux énigmes. Hein, celle-ci est la suivante. Alors le jujubier, il faudrait trouver un endroit où il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup partout. Faudrait trouver le paradis, c'est que c'est en fait. Alors chasser du paradis, hein, chasser du paradis. Messaoud. Messaoud doit être le nom d'un. M'étonnerait que ce soit quelqu'un de connu. Ça doit être un enfant qui est là. Je crois qu'il faut chercher. Bon, qu'est-ce que le peut paradis. Être paradis. Chasser du paradis. Parce que, attendez, si on réfléchit, chasser du paradis, le paradis est une notion religieuse, Messaoud dans son panier au creux du jujubier, donc au creux de l'arbre dont parle Richard, attend sagement qu'on l'embrasse. On ne peut pas imaginer que ce soit quelqu'un qui, pour cette émission, même si parfois on fait des miracles, soit descendu du paradis pour que Philippe l'embrasse. Donc il y a une astuce, hein, il faut qu'on la trouve. Alors attend sagement qu'on l'embrasse. Tous les mots comptent. Attends sagement. Est-ce que ce sera un enfant? Ça peut être aussi une statue. Une statue. Il n'y a rien de plus sage qu'une statue. Il n'y a rien de plus, oui. C'est vrai. Encore que la sagesse s'est prise à divers sens. Il y ça peut être, oui, ça peut être aussi un sage, mais non, enfin. Oh, mais qui pourrait être chassé du paradis et quel sens peut-on donner à ce paradis? Alors. Ah, ben, le paradis, ça peut être oasis. Mais dans un désert, enfin. Alors, on va vite se plonger dans les bouquins. Oui. Est-ce que Philippe décolle? Est-ce qu'il reste à Neftar? Philippe, est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un sur place s'il sait ce que c'est que le paradis, si ça a un sens particulier dans la région? Attendez. Ah, j'ai un paradis. Jean-Yves. Est-ce que. Le paradis. Un lieu. Oh, voilà. Paradis. Philippe. Est-ce qu'il y aurait. Attends, oui. Philippe. Attends. Alors. Philippe. Moi, j'ai un paradis là. Hein. Oui. Philippe. Je vous écoute, Marianne. Voilà, alors on nous parle ici d'un paradis. Où ça? Ici à Neftar? Ce paradis serait près de Tozeur. Oh là là! Oui, évidemment. Alors, j'y vais tout de suite. Allez-y. Alors, oui. Marianne, je prends l'hélicoptère, j'école. Et vous décollez vers Abès. Marianne, vous décollez. Je décolle. Merci, Marianne. Non, Marianne. Ok, on y va. Vous êtes sûr? Parce que tout à l'heure, on est allé à Tozeur pour rien. Là, on est à Neftar, on ne retourne pas à Tozeur pour rien. Vous êtes sûr? Ah ben, écoutez, je relis. Alors, lisez-nous ce qu'il y a sur le livre. Alors, je lis. Hein. Nous décollons pour Tozeur. Vite. Oui, c'est ça, c'est ça. 9 minutes 57. Le plus vite possible. Oui, voilà, ça y est, je viens d'indiquer au pilote. Et nous décollons pour Tozeur. Oui. Et pendant que Philippe décolle. Marianne, vous nous lisez ce que vous avez trouvé? Alors, Philippe. Oui. Je vous lis ce que je trouve. Hein. Oui. Alors, il faudra aller à un hameau de Tozeur qui est sur la carte, qui s'appelle Abès. Alors, attendez, redites-moi. Abès. Et ça s'écrit comment? A-B-B-E-S. C'est sur le bord de Tozeur, c'est sur la carte. Oui, c'est sur la carte. Philippe, c'est sous le terre. C'est la limite sud de Tozeur. C'est ici. Abès. Abès. Oui, c'est ça. A-B-E-S. Oui, c'est ça. Vous voyez? Vous allez là. J'indique au pilote. Nous allons le plus vite possible sur Tozeur. Alors, Abès. On repart à Tozeur. Oh, voilà. Abès, s'il vous plaît. Allez, je vais le. Philippe. Oui. Vous êtes dans l'hélicoptère. Je suis dans l'hélicoptère. Ok, je vous lis tout parce que tout écoute. Est important. On vous écoute. S'il vous plaît. Alors, Abès est un mot de Tozeur, établi près d'un antique marabout. Le saint homme enterré là, du nom de Sidi Ali Boulifa, aurait lui-même planté le jujubier. Alors, on nous parle d'un jujubier, hein.
qui ombrage la coupole et encombre la place avec plus de 10 mètres de circonférence. C'est pas la place. Hein. C'est donc, un énorme arbre. À Abbesse, il y a un gigivier au centre du hameau. Et on nous dit après ça que, un peu plus loin, il y a un grand jardin qui s'appelle le Paradis. Oui. Oui. Alors donc, en fait, il faudrait trouver le gigivier dont on nous parle, qui est au centre du village. Et juste à côté, il y a un endroit qui s'appelle le Paradis. C'est un jardin. Donc quelqu'un a été chassé du jardin. Bon, Marianne, on résume très vite pour Philippe, hein, qui vole vers Nefta, toute vitesse. Non, non. Vers Tozer, là, je suis complètement perdu dans nos alertes. Ah oui, je vous promets, Didier, nous allons vers Tozer. Bon, d'accord. Je vous promets. Abbesse. Résumez-nous très vite toutes les informations que vous possédez. Alors, il faudrait que Philippe, vous trouviez Abbesse. Il doit y avoir un marabout, là. Donc, de nouveau, un bâtiment religieux. Oui. Et alors, dans ce bas, le bâtiment a une coupole. Oui. Et on nous parle d'un jujubier qui ombrage la coupole. Donc, le jujubier est juste à côté de la coupole. Hein. D'accord. Donc, ça doit être sur une place, parce qu'on nous dit le jujubier ombrage la coupole et encombre la place avec ses 10 mètres de circonférence. Très bien. Richard, vous pouvez décrire ce qu'est un jujubier, puisque vous connaissez cet arbre. Je sais que c'est un arbre, mais décrire. Philippe connaît, je crois. Vous connaissez Philippe? Non, je ne connais pas jujubier, si vous pouviez me. Ça doit être un énorme arbre. Hein. En tout cas, la jujube, donc le cri du jujubier, sont comme des petites amandes marron. Enfin, d'accord, mais il est grand, c'est un arbre qui doit être immense, il fait 10 mètres de circonférence à la base. Bon. 10 mètres de donc circonférence il faut à la base. Donc c'est un arbre énorme. Hein. Écoutez, oui, je suis au-dessus, je suis tout près, donc on longe le shot. C'est fantastique, c'est un paysage qui s'étend devant nous. Et ça, il y a quelques virages qui commencent à. Il y a des radiations sur le choc, c'est assez étonnant. Alors, nous n'avons pas résolu. J'ai même l'impression de voir un choc. Nous n'avons pas résolu une partie de l'énigme qui est de savoir qui est Saoud. Oui, on va. Philippe doit t'embrasser. Et je crois que. Dans le jugulier, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. Enfin, je pense que si on fait le jugulier, ça doit être ça. Tozer est en face de nous. Mais qui a pu être chassé du paradis? Donc du jardin. Écoutez, je suis au sud, je longe le shot, donc je devrais arriver sur Abbesse assez rapidement. Vous vous posez au centre, hein. Ça doit être une grande place, oui, avec un énorme arbre. Marianne, je n'y suis pas encore, hein. je n'y suis pas encore. Marianne, Richard, qui a pu être chassé du jardin? Un enfant, un gardien du jardin, il attend sagement qu'on l'embrasse. Ça peut être rien de précis, hein. Ah ben non. C'est à nous de trouver, chasser du paradis, chasser du jardin, mais Saoud, donc, cette personne, dans son panier, qu'est-ce qu'il peut être dans un panier? Pardon? Un animal. Et quel genre d'animal? Un chat? Un chat dans son petit panier? C'est un animal! Oui, on ne sait pas, mais Saoud. Alors, il faudra trouver d'abord le jujubier. Dans le jujubier, il y aura à côté du jujubier. Combien de temps reste-t-il là maintenant? Parce que je suis... 5 minutes 33, je vois tout du temps. 33. Cherchez bien dans les livres, je crois qu'on doit tout trouver. Oh là là, voilà, nous sommes maintenant assez bien en vue de la palmeraie de Tozer. Oh là là, il y avait encore des... Il y a un tas de choses. Bon, je vais arriver au-dessus de Abbesse. Oui. Ah, Abbesse, si vous pouvez, vous avez bien vu sur la carte, si on peut me poser tout près de Abbesse. De la place. Abbesse. Philippe. Oui. Ça va être donc, le jugulier va être sur la place d'Abbesse. Hein. La place d'Abbesse. Oui. Abbesse, c'est pas trouvé. Hein. Mais vous m'avez parlé de. Il faut après trouver le grand arbre. Il doit y avoir un arbre énorme. Oui. Vous savez, c'est en plein milieu de la palmeraie alors. Oui. Je viens. Il va retrouver le mausolée parce que l'arbre est à côté. D'accord. Voilà, nous sommes au-dessus maintenant de. Nous sommes bien en vue de Tozer, au-dessus des premières maisons de la ville de Tozer. Nous sommes au-dessus de la palmeraie. Abbesse, vous savez où est Abbesse? Abbesse. Abbesse. Voilà, le paradis. 4 minutes 20, il faut faire très vite le maintenant, paradis. Philippe. Vous avez quelque chose sur le jardin, le là, de nouveau? Je cherche quelque chose. Oui, il faut me poser là-bas. Philippe, oui. Il faut aller très vite. Attends, oui. Alors, il faut trouver le marabout. Il faut me poser le plus vite possible maintenant, capitaine. On se pose le plus vite possible.
C'est là où il est, c'est à oui, qu'est-ce qu'il y a, Marianne? Il faut retrouver le marabout de Sidi Ali Boulissa. De Sidi Ali Boulissa. Le marabout, oui. C'est un bâtiment religieux comme l'autre. D'accord. Alors, et ce marabout, donc, semble chercher l'ombrage d'un gigantesque gibier. Donc, sous le gibier, il doit y avoir normalement ce marabout, hein. Sidi Ali Boulafi. Sidi Ali Boulissa. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce jujubier, qui est un arbre de circonférence, est près d'un marabout, donc vous pouvez le localiser. Je ne vois rien pour l'instant. En hélicoptère, ça va être difficile. Hein. Je survole la palmeraie, il y avait une clairière ici, j'espère voir quelque chose, mais non. Vous ne voyez pas le marabout à Abel? Je cherche un marabout, hein. C'est peut-être là-bas. Vous cherchez un bâtiment religieux. Le marabout, il est où? Il doit être sur la grande place. Paradis. Le jardin, donc. Le paradis, c'est un jardin. C'est là. Eh oui, alors je cherche le marabout Sidi Ali Boulissa. Non. Capitaine. Oui, c'est ça, le marabout et le jujubier qui est à côté. Le marabout, je cherche. Oui. C'est surtout le jujubier qui est à côté. Nous volons, mais nous ne trouvons toujours rien. Vous êtes toujours dans l'hélicoptère? Oui, je suis dans l'hélicoptère. Nous cherchons avec le pilote. Nous ne voyons rien pour l'instant. Mais, à mon avis... Vous savez où c'est? 2 minutes 30 secondes. Oh là là. Philippe, posez-vous et cherchez la place à pied. Vous n'avez plus le temps maintenant de chercher un hélicoptère. Oui, mais pour l'instant, je ne peux pas poser là. C'est vraiment... C'est le désert. Ah, d'accord. Eh bien, le plus vite possible, posez-vous et cherchez la place. On n'occupe pas le temps. On peut se poser, s'il vous plaît? Ah, le pilote me fait signe que c'est ici. C'est ici, voilà. On peut se poser le plus rapidement possible. Alors, je vais chercher Alors, c'est une course contre la montre, Philippe. 2 minutes 7 secondes. Alors, Philippe, le jujubier, c'est un grand arbre qui est à côté donc d'un monument religieux. Et vous trouvez, vous devrez embrasser quelque chose. Oui. Mais Saoud, on ne sait pas qui c'est. Hein. Mais Saoud, j'embrasse Saoud, ça ne fait rien. Il est dans le jujubier. Il est dans le jujubier. Il est dans le jujubier. Il vous attend sagement dans son panier. Je vois un dôme, je vois donc. Vous courez vers l'arbre. Ok. Un jujubier, on cherche un grand arbre. Ok. Le plus vite possible. Oui. Vite, Philippe. C'est un grand arbre. Vous ne devez pas le rater normalement. Oui. Ok. À côté du... Allez, on y va, Sergé. Et Jean-Yves, ça y est, je suis à terre. Bon, il faut... Vous voyez l'arbre? Non, je ne vois rien pour l'instant, je suis dans la poussière. Voilà, d'accord. Attendez, ne vous inquiétez pas, Marianne. J'ai maintenant le marabout. Je cherche un jujubier. Oui. Messieurs, un jujubier. Allez, je cherche à côté. Je cherche un jujubier. Il est à côté. Voilà. Un grand arbre qui est à côté. Il est à côté? Oui, à côté du marabout. À côté du marabout? Le marabout cherche ombrage. Je cherche un jujubier. Ah, il y a, je suis à côté une du marabout. Minute, Philippe, une minute, Philippe, une minute. Je suis maintenant. Embrassez. Je vois un panier. Embrassez ce qu'il y a dedans. Embrassez Messaoud. Embrassez ce qu'il y a dedans. On ne sait pas qui c'est. Les vaches, attendez, c'est un serpent. Vite, oh, c'est un serpent. Oui, mais sur la queue, ça ne mord pas. Comment? Sur la queue. Sur la queue, n'importe où, embrassez-le. Écoutez, je fais confiance au producteur, oui. Je prends le serpent, écoutez, je 35 promets, secondes, vite. Je ne suis pas assuré du tout. 30 secondes. Attention. Merci Philippe, pour nous. Stop. Alors, le baiser de Philippe au serpent, qui s'appelle donc Messaoud. Bravo. Merci Philippe. Écoutez, je le prends dans la main parce que c'est un piton et ce n'est pas très dangereux, je sais que ça ne mord pas. Ah, d'accord. Heureusement, je voyage un peu. On a gagné. On a gagné. Merci, écoutez, Philippe. Je l'embrasse une deuxième fois. C'était soit Adam et Ève, soit le serpent. Ah, mais Saoud, dans son panier, était un serpent. Et oui, ça chasse du paradis. Finesse des producteurs. Philippe, j'espère que vous avez apprécié. Écoutez, j'apprécie beaucoup parce que on n'a quand même pas tous les jours l'occasion de prendre un piton autour du cou. Et je me rappelle l'avoir fait une fois et ça me fait très plaisir de le faire une deuxième fois. Et surtout d'avoir gagné le deuxième trésor. Formidable. Voilà. Marianne, bravo. Vous aviez cité un serpent d'ailleurs tout à l'heure. Oui, hein. Parce qu'on parle d'élevage de serpents, mais j'osais pas y croire en fait. Elsa, on était vite là. Hein. Oui, temps, mais très bien. On a plus de 26 secondes. Et Philippe en profite donc pour faire un gros câlin avec ce gros câlin tunisien. Vous ne nous attendiez quand même pas à trouver un serpent dans ce panier. Moi, je pensais une statue. Un enfant, une statue, enfin tout a été dit. En fait, on aurait dû inverser les énigmes parce que ça vous aurait gagné. Si on avait pu, on aurait vraiment gagné beaucoup de temps, malheureusement. Bon. Enfin, Messaoud signifie heureux
Aimé Saoud le Bienheureux attendait donc Philippe dans son panier. Je ne sais pas qui a été le plus surpris de Aimé Saoud ou de Philippe. Enfin, après ce petit intermède, Aimé Saoud exclu du paradis. Quel paradis? Vous n'avez... Le jardin. Le jardin. C'est un jardin à côté. C'est un jardin absolument merveilleux. On l'appelle le paradis, ce n'est pas pour rien. Il pousse des centaines de variétés de roses. On peut y boire des sirops de fleurs, de pistaches, de violettes. C'est absolument merveilleux. Exclu donc du paradis, en fait c'était un jeu de mots car il était peu probable qu'il soit venu de ce jardin là, un python de 3 mètres, non quand même pas. Il viendrait plutôt du petit enfer qui est le zoo de Tozer, un zoo un peu particulier et quand même très utile. Alors c'est un zoo qui a été créé par un ancien charmeur de serpents, un coureur du désert, et on y trouve alors des espèces redoutables, beaucoup plus redoutables que ce pacifique python. On y trouve des cérastes, notamment des serpents venimeux, mais ils servent surtout à des travaux de laboratoire et à des sérums. Alors, le jujubier de Sidi Ali Boulifa, pas de confusion avec notre premier saint, qui était aussi un phytospécialiste. Alors, le jujubier, vous l'avez dit, c'est un arbre de la famille des Ramnacées, je sais tout, moi, j'ai la chance. Le jujube, jus du jujubier, bon pour la toux, ça c'est une petite note de phytothérapie en passant, et c'est un exercice de diction aussi d'ailleurs. C'est bien, moi j'ai la grippe en ce moment. Alors, ce jujubier a été donc planté par Sidi Ali Boulifa. Et voilà. Et ça fait des jujubes. Alors, je crois qu'on va quand même... C'est des jujubes. Des jujubes, oui, oui. Excellent pour la toux, je le rappelle. On va quand même ouvrir la troisième énigme, absolument. Impératif, on ne la jouera peut-être pas. Je ne vous dirai pas combien elle valait. Philippe, oui. Si vous trouvez en 26 secondes... Oui, écoutez, je ne sais pas, en passant au-dessus du shot, j'ai cru voir un chèque avec 3 trésors, mais je crois que c'était un mirage. Vous êtes pas loin du pays des mirages, je crois. Effectivement. Alors j'ouvre cette enveloppe. Top chronomètre, Philippe. Oui, c'est parti. Le temps de la lire. C'est pour le plaisir et pour la fin de cette émission. Ouh là là. Où tu caches... Oh, je vais lire ça très bien, c'est un poème. Où tu caches-tu, toi la rose, née du vent et du désert, face à celui qui a jamais repose, là où l'oued se resserre, et c'est signé Abou El Kassem Chabi. Vous le dites très bien, donc. Didier. Alors, j'avais très bien lu, mais... Ah oui, vous l'avez très bien dit, Didier. Petit cache-tu, toi, la rose, née du vent. Et voilà l'écho du désert. C'est temps de le lire. En tous les cas, on termine sur un très beau poème. C'est déjà bien. C'est un poème signé Abou El Kassem Chabi. On va demander tout de suite à Elsa quelques explications. Oui, en fait, c'est un pastiche d'un poète tunisien très célèbre. Oui, les producteurs se sont permis de pasticher ce fameux poète. Il est mort à 25 ans, en 1934, mais il a beaucoup marqué, on l'a appelé le rénovateur de la poésie tunisienne. Et c'est donc du René Denis, si je comprends bien. Absolument. C'est un poème de René Denis. Producteur de l'émission aujourd'hui, oui. Et le trésor est une rose des sables qui se cache là où l'oued se resserre, et pas loin du tout d'ici. Je vais vous donner beaucoup de regrets, Marianne et Richard, car c'est à Tozer même, imaginez-vous. Bon, Tozer, alors Philippe, si vous voulez bien vous diriger, vous y êtes à Tozer, vous vous dirigez un petit peu, légèrement plus au nord que là où vous êtes. D'accord. Et vous verrez un belvédère. Un belvédère. C'était d'ailleurs le lieu préféré du poète, c'est là qu'il écrivait et qu'il s'inspirait. Vous entrerez dans l'oued, c'est une sorte de mini canyon. Vous vous dirigerez en direction de là où l'oued se resserre, c'est-à-dire que l'oued se perd en fait. D'accord. Et vous trouverez une tombe noire qui n'est pas celle du poète. Le poète aussi est enterré là, mais dans une oasis toute proche. C'est une tombe d'un monsieur qui a été piqué par un scorpion. Alors, dans cette région, ça arrive. Et au-dessus de cette tombe, dans la falaise, vous trouverez une superbe rose des sables qui vous attend là pour cette troisième énigme. Mais évidemment, nous vous retrouverons après le générique avec cette rose des sables à la main. Okay. Ce superbe poème. Marianne et Richard, merci désolé. Hein. Merci quand même, Philippe. Mais je crois qu'on a quand même fait de très beaux allers-retours. A tout à l'heure, Philippe. Okay. Merci. Merci à Richard et à Marianne de nous avoir fait voyager dans cette région du sud tunisien. Vous avez tout de même trouvé deux énigmes, trois trésors. J'ai regardé le total. 51 369 francs belges.
Le jeu de la chasse au trésor, pour vous souvenir de cette émission. Bon retour à Bruxelles. Merci bien. Bonnes études de médecine. Bonne recherche dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Merci à tous. On retrouve Philippe après le générique. Et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor. Ce troisième trésor dans les bras. À la semaine prochaine.